Alors, algues brunes, algues rouges, algues vertes, algues bleues. Les algues sont très tendances en ce moment et seraient parées de mille qualités. Riches en vitamines, en minéraux, elles contiennent des protéines, sont très peu caloriques. Elles sont présentes depuis longtemps dans les produits cosmétiques également et on en trouve de plus en plus dans l'alimentation. Et pas seulement au restaurant japonais, salade, tartare, sauce, comment les préparer, que choisir et surtout, ces vertus nutritionnelles sont-elles réelles? Pour répondre à vos questions, deux invités, docteur Béatrice de Rénal qui est nutritionniste, bonjour. Bonjour. Et Régine Keva, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice d'atelier cuisine aux algues et auteur de ce livre Les algues qui est paru chez Marabout. Première question, on va répondre déjà à quelques questions, après on goûtera, on verra un peu tout ça. On nous demande si les algues sont toutes comestibles. Oui, les macro-algues, oui, c'est-à-dire les grandes algues qu'on trouve sur les strands, sur la plage. Elles sont toutes comestibles, il n'y en a aucune qui soit nocive. La seule condition, si on veut les manger, c'est de les récolter, c'est-à-dire d'arriver avec une paire de ciseaux ou un couteau sur les strands pour les couper. Et surtout, de vérifier qu'on est bien sur une plage propre, c'est-à-dire une plage de qualité avec des eaux de bonne qualité biologique. On peut faire ses courses sur la plage. Absolument, c'est un bon supermarché. Donc comment reconnaître, on nous demandait, ça c'est bon, on comprend, et on nous demande si ça se conserve longtemps. Alors ça se conserve longtemps, la bonne conservation c'est le sel, c'est ce qui permet aussi de les retrouver dans les magasins conservés au sel. Sinon on les fait sécher et on les conserve en paillettes, comme on le voit ici, on peut le faire soi-même. Mmh. Et la troisième façon de les conserver c'est au congélateur. Ça marche très bien, ça ne bouge pas. Mais le sel, est-ce que le sel qu'elles ont suite à l'évaporation de l'eau de mer suffit ou il faut en rajouter? Alors il faut en rajouter, c'est une conservation comme une salaison. Donc on va faire un tas d'algues qu'on vient de cueillir. On va mettre du gros sel, on va remettre des algues du gros sel. On met dans une boîte hermétique au frigo et ça va durer quelques mois. Est-ce qu'on peut les montrer, ce que vous venez de montrer? Alors les algues qui sont conservées au sel, c'est celle-ci. Ça c'est une algue rouge qui s'appelle la dulce, Palmaria palmata. Eh bien celle-là, on peut les trouver sur toutes les plages bretonnes, nord ou sud, sans problème. Et à côté, là. Et puis à côté, ici, on a une. C'est une digitale, hein, c'est une digitata, c'est une laminaire. Ouais. On l'appelle aussi kombu. D'accord. On peut les trouver aussi au sel, dans les magasins, les épiceries bio. Et là, c'est desséché à côté? Et à côté, ici, ce sont des algues sèches. D'accord. Donc ce sont les mêmes types d'algues. On peut les préparer, celle-là. On peut les préparer. Et là, on a une algue qui est en train de dessaler, qui est de la nori, la porphyre. On va écouter tout ça tout à l'heure. On nous demande s'il vaut mieux manger les algues fraîches ou sèches. Alors, je veux d'abord répondre à la première question, parce qu'en fait, sur les 10 000 algues qui existent dans le monde, il y en a beaucoup qui sont toxiques, notamment dans les algues rouges. Donc, c'est vrai pour la Bretagne, mais ce qui est vrai pour la Bretagne n'est pas forcément vrai partout. Et donc, il ne faut quand même pas manger n'importe quoi. Mais en France, sur le littoral français? En France aussi, puisque certaines algues rouges, notamment celles qui recouvrent certains rochers, donc qui sont assez rases, certaines d'entre elles ne sont pas comestibles. Non, mais en fait, effectivement, celles qu'on trouve le plus fréquemment sur les côtes, elles sont en général comestibles. Et de toute façon, après, c'est plus une question de toxicologie. C'est-à-dire, si évidemment, il ne faut pas récolter des algues près d'un port, par exemple, puisque il y a pas mal de produits toxiques. Bon, voilà. Bien sûr. D'accord. Alors, après, pour l'autre raison, l'autre question. Sèche ou fraîche? Alors, sèche ou fraîche, c'est exactement comme les légumes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir perdre quelques vitamines, notamment la vitamine C lorsque vous allez la faire sécher. Mais globalement, sinon, le contenu reste quand même à peu près là, puisque le séchage des algues se fait par évaporation simplement. Donc, il y a une concentration des minéraux et des minéraux et des oligoéléments. Mais tout de suite, il faut faire vraiment attention à ne pas comparer une algue sèche avec une algue fraîche ou une algue sèche avec des légumes frais. C'est-à-dire qu'évidemment, dès que vous allez concentrer n'importe quoi, que ce soit un haricot vert ou un haricot de mer, vous allez forcément avoir beaucoup plus de protéines. Mais une fois que vous le réhydratez, vous avez autant de protéines dans un haricot de mer qu'un haricot vert de terre. Alors, on en consomme relativement peu, on consomme 1 kg par an de ces algues, surtout sous forme d'additifs, gélifiants, épaississants, stabilisateurs. Les Japonais, les Coréens, eux, en raffolent, puisqu'ils en consomment 3 à 4 kg par an et par personne. Ça fait partie intégrante de leur cuisine. En France, certains sont fermement persuadés que l'algue peut avoir sa place dans nos cuisines. Charlotte Riesi et Mathieu Vibault sont partis à la rencontre de passionnés. Regardez. Dans ces ballons bouillonne ce qui sera peut-être votre alimentation de demain. Nous sommes dans une écloserie près de Paimpol. Ici, on cultive les algues. On est dans la partie tout en amont du cycle de culture des algues.
On est dans ces petites chambres où on va en fait produire, cultiver les graines, les cellules qui sont à l'origine de la culture des algues. Depuis 2006, Olivier, microbiologiste de formation, a décidé de se lancer dans la production d'algues. Et comme dans une culture classique, la graine doit d'abord germer. La première étape, c'est de passer au plant, donc de déclencher la germination. Pour ça, on va d'abord changer les conditions de lumière et de température. Et ensuite, on va inséminer ces cellules sur des premiers supports de culture. Exactement comme quand vous prenez une graine et que vous la mettez dans un petit godet pour qu'elle germe avant de l'emmener en plein champ pour une pousse. Et le gobelet, ce sont ces grands bassins qui abritent des milliers de futures algues qui seront bientôt mises en mer. Là, ce qu'on commence à voir, chacun des petits, des toutes petites feuilles là, vert clair, tout ça, ce sont des futures grandes algues. Donc là, on est sur la Saccharina latissima, une grande algue brune qui, à maturité, va faire entre 2 et 3 mètres. Et elle va, à ce stade-là, on va pouvoir la mettre en mer de manière à ce qu'elle fasse le reste de sa pousse. En France, il y a une vingtaine d'espèces d'algues autorisées pour l'alimentation humaine. Mais le marché est loin d'être mature, il y a encore quelques blocages. En France et en Europe, aujourd'hui, on ne consomme pas énormément d'algues. On est à peu près 1000 fois moins qu'un Japonais. Faut voir qu'une partie de ces blocages est aussi due au fait que les industriels de l'agroalimentaire, ceux qui vont préparer des plats ou vendre des légumes aux consommateurs finaux, n'arrivent pas à avoir suffisamment d'algues, suffisamment homogènes, de bonne qualité et avec la bonne traçabilité. Des problèmes d'approvisionnement qu'Olivier essaye de résoudre. Aujourd'hui, il veut rallonger la période de récolte. Il vient donc vérifier que les algues suivent bien leur processus de maturation. Alors là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'écloserie, on reconnaît le petit filin sur lequel on était venu inséminer les graines et faire pré-grossir les plants en laboratoire. Et là, les algues en fait ont grandi et ont développé leur crampon qui est venu recouvrir la totalité du bout et ont poussé à partir de ce crampon pour faire leur tal. Alors celles-ci, elles n'ont que quelques mois de mer, elles sont encore jeunes. C'est une algue qu'on récolte normalement au printemps. Et là, on a fait un test de manière à pouvoir une récolte tardive vers le mois de décembre. À terme, si ce rendement est efficace, cela lui permettra de fournir en quantité les industriels. Pour lui, les algues doivent faire partie intégrante de notre alimentation. À l'échelle mondiale, cette algue-là, c'est un légume. Alors en France et en Europe, ces usages-là sont beaucoup moins développés. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on vit une transition, sans doute la transition de la démocratisation de ce super légume. Une fois les algues récoltées, il faut savoir les cuisiner. Nous sommes partis à la rencontre de celui qui a inventé un des plats à base d'algues qui se vend le mieux, le tartare. Aujourd'hui, c'est le tartare pacifique qui est en fabrication. C'est un tartare qui tire plutôt sur le vert. Plus d'algues vertes et d'algues brunes. L'algue brune, c'est le guacamole qui est là. Le haricot de mer. Et la laitue de mer. Il y a des cornichons, un mélange d'épices, mais qui est secret, donc je n'en dirai pas plus. Les oignons, des échalotes qui sont dans un autre frigo là-bas. Dans cette petite usine, tout est fait de façon artisanale. Première étape, il faut blanchir les haricots de mer et cela se fait dans une grosse marmite. Deuxième phase, on commence à broyer les ingrédients, les spaghettis de mer, auxquels on ajoute de l'ail. C'est surtout sa texture qui est intéressante, elle est craquante, elle est moelleuse. Moi, c'est mon algue préférée, celle-là. Elle a plein de qualités aussi nutritionnelles, notamment elle est riche en vitamine C. C'est au tour de la laitue de mer d'être broyée, puis mélangée avec les autres ingrédients. La touche finale, les épices. On ne vous dévoilera pas ce qu'il y a dedans, le chef a voulu garder cela secret. Et pour cause, sa recette a été copiée par plusieurs marques. Il est mélangé, il est terminé, il faut le laisser macérer un peu. Et après, il sera empoté. La mise en pot se fait à la main. Des pots qui seront acheminés dans des supermarchés et des boutiques spécialisées un peu partout en France. Alors juste un mot, parce que là on vient d'entendre que les Japonais consommaient 1000 fois plus d'algues que nous, ce qui est vrai. Et comme on vous a dit tout à l'heure que les Français consommaient 1 kilo par an et que les Japonais 4 kilos, on ne comprend plus. En fait, nous on consomme ça sous forme d'additifs, de gélifiants, sans savoir qu'on mange des algues finalement, alors que les Japonais, ils mangent des algues en salade. On va goûter justement, on va goûter. Alors cela dit, on n'a quand même rien inventé, parce que le capitaine Nemo, il faisait ça quand même, hein. Exactement. Il mangeait tous des algues. Alors on va peut-être goûter. Qu'est-ce qu'on goûte alors? Les tartares. On peut goûter le tartare. Le tartare, c'est un mélange. On va revenir sur ces affaires. Ça donne envie, hein, cela dit, avec les images, ça a l'air très très bon. Hein. Donc c'est un mélange évidemment fait maison.
Tiens, pendant que vous préparez, on va continuer juste à répondre à quelques questions. Revenir sur la vitamine C, et on nous demande aussi si c'est plus riche en magnésium que le chocolat. Donc déjà la vitamine C. Alors en fait, dans les algues, toutes les macro-algues donc, qu'on va manger, globalement, par rapport à des légumes, elles vont être en principe plus riches en magnésium et en calcium et en fer. Alors ça dépend, après il y a les unes, les autres, tout le monde n'a pas tout. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que notamment le fer, sauf qu'on ne sait pas, il sera sûrement pas aussi bien assimilé que du fer héminique. Ouais. Après, concernant, en principe les légumes en France sont riches en vitamine Merci C Michel. Et en bêta-carotène. Les algues, c'est plutôt, pour les algues rouges, ça va être de la provitamine A, donc du bêta-carotène. Oui. Et, mais sinon, bon, il n'y a pas exactement les mêmes vitamines que dans les légumes. Et puis, l'originalité de les algues, c'est que c'est souvent une source de vitamine B12, ce qu'on ne trouve en principe pas dans le règne végétal. Donc ça, c'est une originalité. D'où l'intérêt, quand vous êtes végétarien ou végétalien, de manger des algues, parce que ça vous apporte cette vitamine B12, qui serait intéressante pour des végétaliens. Même si une étude américaine a montré qu'elle n'était pas assimilable, utilisable par l'homme. C'est une vitamine importante pour éviter les anémies, tout un tas de choses. C'est très très bon. C'est une forme de taponade, mais aux vraiment algues. Excellent. Bon, je mange parce que dès que vous avez fini, parce qu'il faut qu'il y en ait qui pose la question. À partir de quelle quantité consommée régulièrement en retire-t-on un bénéfice? Alors tout de suite, bien sûr, parce que il faut comprendre que les algues, surtout les algues fraîches, c'est évidemment un légume de mer, hein, avec d'autres atouts complémentaires. Il y a deux petits inconvénients, on va dire, ça va être la teneur en sel, notamment pour les algues marines, et puis ça va être éventuellement trop d'iode, parce que lorsque vous achetez des algues sèches, eh bien vous pouvez avoir une concentration en iode qui est élevée, à tel point que notre INPS en France a imposé en fait dans une directive que soit une teneur maximale en iode pour les produits d'algues séchées. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Dans le second, là, il y a quoi? Il y a des sardines, du fromage à tartiner, il y a un mélange d'algues qui est exactement celui-ci, donc de la laitue de mer, de la dulse et de la nori très, très séchée. Bon. Et le premier? Et le premier, on a toujours ces trois algues, de l'algue verte, de la nori, de la dulse séchée. Réhydraté avec huile, vinaigre. Moi, je mets des capres plutôt. Et puis des baies. Vous allez pouvoir goûter pendant le reportage, mais là, il faut que vous répondiez encore. Et là, on peut vous dire que c'est excellent. Ah oui, vraiment. Et je peux vous dire qu'avec Marina, on est fignoles. On est difficile. Ah oui, et c'est très, très bon. On nous demande si c'est digeste cru, les algues. Si c'est digeste cru, oui, moi je les mange volontiers cru, bien sûr. Alors toutes les algues ne sont pas bonnes au point de vue goût, parce que par exemple le fucus que vous allez retrouver sous votre plateau de fruits de mer, c'est pas bon à manger. Oui. En revanche, la laitue de mer par exemple, pour quelqu'un qui aime la salade, c'est formidable, cru, surtout cru. Et c'est aussi digeste que n'importe quelle salade. Bien sûr, au contraire, c'est presque plus digeste, puisque les fibres qui sont contenues dans les algues, il y a à peu près 3% de fibres, c'est-à-dire un petit peu, à peu près comme les légumes de terre, et bien ce sont des fibres qui sont solubles et elles sont plutôt mieux tolérées par l'intestin que les fibres insolubles. Pour revenir sur une question que vous abordiez tout à l'heure qui concernait les protéines, certains disent qu'en gros ça peut quasiment remplacer les protéines de la viande. Alors, pas du tout. En fait là c'est une confusion qu'il y a entre le produit sec et le produit humide. Une algue fraîche n'a pas plus de protéines qu'un légume. D'accord, donc ça ne remplace pas la viande au point de vue apport, enfin, pas du tout, protéines animales. On trouve ça où D'abord on trouve où et est-ce que c'est cher? Alors, des algues déshydratées. C'est délicieux, hein, vraiment. Ah non, c'est vraiment très très bon. C'est ma recette. Non, mais c'est remarquable. Merci. Des algues déshydratées, on les trouve dans les épiceries fines, dans les magasins biologiques, produits donc par des producteurs dont on a vu tout à l'heure. Quand vous dites épicerie fine, on pense déjà cher. Donc non, pas spécialement. Un paquet de 50 grammes coûte 4 euros. Et avec 50 grammes déshydratés, on a à peu près 300-400 grammes réhydratés. D'accord. Puisque il faut multiplier par 6 ou 7 pour avoir la même... Oui, même par 10 presque. Oui. Parce qu'il y a 10% de matière sèche dans les algues. Oui, donc d'accord. Et sinon, tout préparé? Tout préparé, ça dépend des producteurs. C'est épicerie fine, ça. Voilà. Il faut aller dîner chez madame. Voilà. Mais sinon, ici, pour vous donner une idée, on a à peu près entre 5 et à 10 grammes réhydratés, vous voyez. D'accord. Et on nous demandait s'il faut bien les laver avant de les consommer. Alors, quand elles ont été cueillies sur l'estran, on va les passer, on va les rincer dans l'eau de mer ou à l'eau douce, uniquement pour retirer le sable et puis les petits coquillages. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Surtout si on les achète salés, il faut les dessaler. Ça, c'est obligatoire. Oui, parce qu'après, de toute façon, c'est un mangeable. Oui, c'est une question de façon qu'on a fait, mais on n'a pas répondu. Est-ce que ce n'est pas trop salé pour l'hygiène alimentaire qu'on recommande? Alors, les gens qui sont sous régime sans sel, bien sûr, vont éviter ce type de consommation, oui.
Les salicornes, c'est bon les salicornes, délicieuses, ont-elles les mêmes vertus nutritionnelles que les algues? Ce sont des algues, finalement, non? On va dire une plante de mer. Enfin, on assimile ça aux algues. Ça n'a pas exactement les mêmes vertus, mais de toute façon, c'est un légume de mer, on va dire. Bon. Avec l'inconvénient qu'elles peuvent être très salées, effectivement, mais avec une teneur en fibres. Oui, bien sûr, c'est bon. C'est l'île dorée qui font ça. Les salicornes, beaucoup à l'île dorée. Peut-être, je ne sais point. Je suis allergique. Non, vous savez pas. Bien, je sais pas. Je suis allergique aux crustacés. Est-ce que je serais forcément sensible aux algues? Non, sauf si vous êtes allergique à l'iode ou quelqu'un, oui, effectivement. Ah. Mais c'est finalement assez rare, hein, la vraie allergie à l'iode. Oui. Est-il vrai que certaines algues concentrent, c'est moins glamour, les urines déversées dans l'eau? Non. Ça, c'est vrai, c'est vrai que les poissons font pipi dedans, mais non. C'est vrai que les poissons font pipi dans la mer. Ouais, on nous a appris ça quand on était petits. C'est vrai. Voilà. C'est ce qui remplissait la mer. C'est ça. Ils ne font pas que pipi d'ailleurs. Mais non, merci. Alors après, mais ceci dit, les algues, par contre, elles peuvent retenir certains métaux lourds, l'arsenic en particulier, ce qui peut poser problème. Et puis, je ne vous parle pas évidemment du plomb, du mercure, etc. Ouais. Mais franchement, lorsque vous êtes sur une côte un peu sauvage, il n'y a pas trop de soucis, non? Quelles sont les vertus des algues pour la peau, Michel? Un petit sujet peut-être sur les cosmétiques. Justement, parce qu'on l'a vu, les algues peinent un petit peu quand même à trouver leur place dans notre alimentation. Mais il y a un autre secteur qui les utilise depuis longtemps, c'est la cosmétique, visqueuse, gluante, et il faut le dire, pas forcément très jolie. Elles sont pourtant présentes dans nos crèmes pour le visage, nos lotions pour le corps, ou dans certains produits minceurs. Quelles algues sont utilisées pour la cosmétique? Comment fabrique-t-on ces soins? Sont-ils vraiment efficaces? Élément de réponse avec Charlotte Friesi et Mathieu Vibre. Dans ce laboratoire de Brest, on prépare des crèmes et des soins cosmétiques destinés à des centres de thalassothérapie. Et ici, on travaille des matières premières plutôt surprenantes. Ici, par exemple, on a les algues rouges, ça va être du chondrus ou du mastocarpus. On va les utiliser dans les produits hydratants. Et ici, on a les algues brunes, la laminaire et le fucus, donc qui va être beaucoup utilisé dans les cures minceurs pour ses propriétés drainantes. Les algues ne sont pas utilisées telles quelles, elles arrivent au laboratoire déjà séchées et réduites en poudre. Avec ces poudres, Morgane va pouvoir mettre au point une formule de crème. Et comme en cuisine, elle se base sur une recette. Je suis en train de préparer une crème d'algues. En fait, donc, j'ajoute des algues, de la laminaire sous forme de poudre que je vais intégrer dans l'eau. La laminaire en fait est très concentrée en oligo-éléments et en minéraux. Et c'est vrai que bien souvent, on est carencé en oligo-éléments. Et par une application de crème comme ceci, ça va être la possibilité de reminéraliser l'organisme. Donc là, je pense que c'est bien parce que nous avons, grâce aux gélifiants contenus dans les algues, on a vraiment une texture crème. Avant la production à grande échelle, la crème est soumise à de nombreux tests. On va vérifier la qualité du produit et sa conservation dans le temps. On va faire plusieurs essais en général pour mettre au point une formule. Alors parfois la crème ne va pas être assez épaisse, trop épaisse, ne se rincera pas bien. Il y a tous ces critères qui sont à prendre en compte. Et quand la formule est validée, elle passera en industrialisation. Cette crème contient des éléments naturels, ce qui n'empêche pas le laboratoire d'être soumis à une réglementation bien précise. Nous sommes contraints de tester nos produits en fait. Pour toute revendication, une revendication anti-rides doit faire l'objet d'un test, c'est-à-dire qu'on va mesurer les rides sur la peau avant application du produit. Et après l'utilisation, les rides vont à nouveau être mesurées. Et pour pouvoir revendiquer anti-rides, on doit vraiment avoir une diminution des rides. Pareil pour un produit minceur, l'allégation doit être vérifiée. Une fois la formule approuvée, il ne reste plus qu'à produire la crème en plus grosse quantité. Et ça se passe dans ces grandes cuves. Comme dans le laboratoire, les algues en poudre sont mélangées avec de l'eau. 20 minutes plus tard, la crème a pris la consistance souhaitée. Place maintenant au contrôle. Là, on va donc faire les contrôles physico-chimiques, c'est-à-dire donc viscosité, pH et densité du produit. Nouvelle phase de test, on vérifie donc la texture de la crème et son acidité pour s'assurer que la peau la supporte. Enfin, la crème peut être conditionnée dans des seaux de 15 kg. Des seaux que nous allons retrouver à 65 km de Brest, à Roscoff, le premier centre de thalassothérapie français qui a été créé en 1899 par un médecin. Et aujourd'hui encore, un accompagnement médical est proposé aux curistes. Jocelyne Geffroy est un des médecins du centre. Et logiquement pour elle, les bienfaits des algues sont évidents. Il faut savoir que l'organisme humain est fait de milliards de réactions chimiques, que pour que ces réactions chimiques se fassent correctement, il faut la présence d'ions,
on n'en fabrique pas. Donc il faut les retrouver d'une certaine manière. Et l'eau et, l'eau de mer et les algues, c'est le produit idéal pour retrouver des minéraux directement assimilables, directement utilisables par l'organisme. À Roscoff, on prodigue différents soins à base d'algues, notamment l'enveloppement. Et pour que ces fameux minéraux soient parfaitement assimilés par le corps, il y a des conditions à respecter, comme une température bien précise. 37, en général, c'est là que l'épiderme ouvre les pores de la peau. Et donc, du coup, ça libère les toxines dans un premier temps. Et ensuite, grâce à la crème, le corps va pouvoir se recharger en oligo-éléments, hein, qui est contenu dans les algues. Si personne ne conteste que les soins à base d'algues sont bénéfiques, leurs effets sur la santé n'ont pas encore pu être démontrés scientifiquement. Alors là, justement, une question sur la santé. Est-ce que les enveloppements aux algues font mincir? Et si oui, par quel processus? Alors, mincir, sûrement pas. En revanche, c'est vrai que lorsque l'on laisse le temps à une concentration riche en oligo-éléments, par exemple l'enveloppement d'algues, lorsque ce sont des algues marines, mm-hmm. ou l'eau de mer, quand elle est assez concentrée, eh bien, il vous faut 20 minutes pour qu'il commence à y avoir un passage des ions jusque dans le sang. Mm-hmm. Donc, ça peut être bénéfique, mais pas plus que ça. Ça ne fait pas mincir. Non. Puis-je rapporter des algues et les mettre dans mon bain? Est-ce qu'elles auront les mêmes bienfaits? Alors, on sait effectivement que les oligo-éléments et le magnésium va passer dans l'eau, donc ça peut détendre. Par contre, il faut absolument ne pas les laisser tomber dans les canalisations. Elles gonflent et ça bouche les canalisations. Ah, bonne remarque. Il paraît que les algues font du bien aux cheveux. Puis-je m'en faire un masque? Et si oui, comment? Alors, certaines algues sont riches en potassium ou en zinc, enfin riches, disons qu'elles ont des oligo-éléments qui vont aussi, là encore, apporter des choses intéressantes pour les cheveux. Donc, on peut se faire un masque très facilement avec l'argile, par exemple. Mm-hmm. Hein. Argile et algues, ça va bien marcher, d'accord. Surtout les alginates, des algues brunes. Et on va appliquer, oui, sur le cheveu, on va laisser agir, et puis ça va être un bon soin pour le cheveu. Dernière question, est-ce que les algues entrent dans la composition de certains médicaments? Ah oui. Oui, mais alors là, d'un point de vue scientifique, rien n'est encore complètement déterminé. Il y a beaucoup de suppositions, mais rien n'est encore tellement déterminé. Sur ces algues-là, en tout cas, oui. D'accord. Bon, merci beaucoup. On a découvert quelque chose, hein. Je rappelle votre livre dans lequel il y a notamment il y a des recettes, en dehors des conseils, mais il y a des recettes. Les algues, Régine Keva, c'est donc chez Marabout. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci pour cette dégustation.